Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la Tesla et particulièrement des essuie-glaces. Comme vous le savez, la Tesla gère les essuie-glaces de manière automatique, mais vous pouvez vous-même les activer. Si vous appuyez une fois sur le commodo, ça active. Alors j'ai bien tenu trop longtemps, et juste une petite pression, vous voyez comme ça, ça active vos balais. Si vous maintenez le bouton, vous voyez, et par impulsion. Alors c'est pas moi qui fais l'impulsion, c'est lui qui coupe et qui rallume. Donc hop, t'as fini. Donc voilà, c'est par impulsion. Au moment où vous appuyez sur le commodo, vous avez le menu qui apparaît. On peut aussi l'activer en appuyant sur ce bouton, tout simplement. Vous pouvez bien sûr le passer en automatique, en manuel pardon, sur 4 vitesses. Ou carrément l'éteindre. Voilà. Tac. Ça c'est pratique quand vous passez en mode. Enfin, quand vous n'avez pas passé en version 2021.24 et que vous êtes dans un chemin de rouleau, donc appuyez là-dessus pour couper les essuie-glaces automatiques. Voilà, pendant que vous êtes en train de faire laver le véhicule. Tac. Mais vous avez une autre astuce, c'est vous appuyez sur le commodo, active les balais d'essuie-glaces sur 2. Vous voyez, il est passé manuellement sur 2. Active les balais d'essuie-glace sur 3. Active les balais d'essuie-glace sur 4. Éteins les balais d'essuie-glace. Ah non, ça par contre, il ne comprend pas. Mets les balais d'essuie-glace sur automatique. Voilà. C'est les quelques ordres que vous pouvez lui donner. Et dernière information, dans le menu entretien, tout en bas, vous avez un bouton entretien des essuie-glaces. Ça a fait remonter légèrement les essuie-glaces. Vous appuyez sur le bouton et en même temps vous tirez et vous libérez le balai d'essuie-glaces. Une fois ça fait, vous avez fini, vous rappuyez sur le bouton entretien des essuie-glaces et les balais descendent. Alors ce que je trouve dommage, c'est que quand on appuie là, les balais remontent légèrement et ils ne montent pas jusqu'en haut. Ce qui est parfois un peu difficile pour les atteindre. Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, hop, vous appuyez là et c'est terminé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose sur les balais d'essuie-glace. Et on se retrouve à bientôt pour une vidéo. Allez, ciao !